Un autre exemple, quand elle était amie avec Tata Aline, Tata Aline est venue au pays, en ce moment-là. Avec qui? Tata Aline, Oui. la blogueuse, Tata Aline est venue au pays. Elle devait recevoir Tata Aline avec ses invités. Tata Aline n'est pas venue seule. Perpétue n'avait pas 100 francs, puisqu'elle avait à tout en boîte de nuit. Puisque tous les jours, elle vit, quand elle est au Cameroun, tous les jours, elle vit. Elle commence à se plaindre. Comment je vais faire? Je suis en quoi dans mes économies, dans mon argent. J'ai retiré l'argent. Je lui ai donné pour qu'elle reçoive Tata Aline. Quand on passe la nourriture et qu'on paie de la boisson pour recevoir Tata Aline. Tata Aline, elle écoute comment je suis en train de parler. Elle est là, elle écoute. Elle suit les directs pour tout le monde. Elle m'a trouvé chez Perpétue. Ce jour-là, j'ai même dépanné son téléphone. Le téléphone de Tata Aline était en train de l'embêter. J'ai réglé son téléphone ce jour-là. Nous étions là. Mais quand tu dis que Tata Aline est là, elle t'écoute, est-ce qu'elle sait que c'est toi qui avais donné l'argent à l'autre? Elle ne sait pas, mais elle m'a trouvé. Parce qu'elle peut aller hier dans son direct que Tata Aline m'a jamais trouvé. Tata Aline était là. Elle m'a trouvé, j'étais là ce jour. On l'avait appris. Elle sait, elle et moi. Et son frère, et son frère, puisque ce jour, je lui mettais l'argent, son frère était là. Elle va vous montrer des choses pour dire que je ne lui ai jamais rien donné.